Et le palais, cette fois-ci, on s'en va seul. Et même Mingyan qui ouvre le score. En 1 contre... En fait, profite de filer vers la bande, ça profitera à Inès Berset. Égalisation d'Inès Berset avec son numéro 2. Bon. Il est en train de se battre derrière la cage de Bartsch. Du score, non, l'avantage. Avec Fussen en U17 masculine. 3-1 en faveur de la Neuchâtel. Ok, Academy, un bon lancer. Ça passe tout seul. Sauf erreur, Coralie Larose qui s'offre ce troisième but. Ils ne semblent pas avoir vu de déviation en tout cas, mais... se permettre une petite folie, mais attention à bien surveiller sa défense. 2 à 3. Finalement, Cherbesky a pu très vite reprendre sa place. Et Memmingen qui peut s'en aller. On raconte 0, peut-être l'égalisation de Memmingen. Et c'est fait. Reprise neuchâteloise. On a pu trouver Zoré. À nouveau seul là, le duo Zoré-Gremaud qui était très efficace. Est-ce qu'on a cherché, est-ce qu'on a également gendarme à la ligne bleue? Justement, c'est ce que l'on cherchait des yeux. Elle est bien là. La Rose est go. Avantage le Châtelois. C'est pas terminé. Un nouveau tir et profiter de l'inattention du dernier rempart pour finalement inscrire un nouveau but. Justement, en parlant d'inscrire un nouveau but, c'est chose faite. Première possibilité d'exercer le power play en match officiel. Gendarme sur les hauteurs. On décale sur sa gauche. On va chercher une solution à l'arrière de la cage. Cherbest qui va avoir du travail ces prochaines secondes. Voilà. Effectivement. Ça ne s'est à nouveau pas fait attendre. Et la Neuchâtel Hockey Academy qui triple son avantage. En tout cas, pour le moment, ça a été assez bien géré, on a le sentiment. Cindy Joré qui a tenté la sortie. Il reste 6 secondes 5. 2 minutes contre Chafrat. C'est une fin de match. Bon, alors, on a le sentiment que les quelques coups qui se sont donnés, les quelques retenir ou faire trébucher qui n'ont pas été sifflés durant ce match, peut-être sont récupérés maintenant. Alors, c'est bien dommage de le terminer, en tout cas, sur le papier de la sorte. En tout cas, c'est une victoire de la Neuchâtel Hockey Academy, à moins que 3 buts tombent dans les 2 prochaines secondes. Évidemment, là du coup, on va gentiment se diriger vers une réussite, une première réussite dans cette Coupe d'Europe, mesdames, messieurs. C'est terminé. Neuchâtel n'aura pas fait le déplacement pour rien. Et Memmingen, elle, de leur côté,
savent aussi sur quoi travailler pour leur début de saison. Neuchâtel également, on rappelle évidemment du côté de la NHA, quelques doutes offensifs en début de match, puis une assez bonne solidité qui aura suffi, une assez bonne solidité pardon, défensive devant la cage de Païva malgré l'ouverture du score de Memmingen. On rappelle le score final 3-6.